Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo donc sur Clash Royale et donc sur mon compte développeur Goblinland. Voilà, c'est un compte développeur. Donc, j'ai un serveur privé, un compte développeur. Donc, ceci, c'est mon compte développeur. Donc, on a toujours les 1 million de pièces d'or et les 1 million 73 000 de gemmes. On a toujours les 4 000 trophées. Donc, ça, c'est un Goblinland. Ça veut dire c'est un compte développeur Goblinland. Il y aura toujours le lien en description. Donc j'ai fait un combat amical et donc j'ai encore gagné un coffre légendaire. Donc quand on fait des combats amicaux, on gagne des coffres légendaires. Par contre, on ne débloque pas toutes les cartes. Voilà. Donc certaines sont nouvelles, certaines cartes sont nouvelles. Donc il y a celle-là, il y a l'élite barbarien Hut. Donc c'est la maison des barbares. Donc dans les nouvelles cartes. On a aussi le dragon niveau 1, que celui-là, tout le monde devrait l'avoir. Mais ne vous inquiétez pas, toutes ces cartes, dont elle, l'archer queen, la reine des archers, et celle-là, donc le canon à gobelins, qui sera donc... voilà. Donc toutes ces cartes seront donc diffusées en direct sur notre chaîne. Allez, petit pack opening, donc tout de suite. Je vais m'acheter bûcheron, c'est grave. On va s'ouvrir ce petit coffre épique à 10 000. Allez, c'est parti. Ah, donc ça marche pas, super. Donc on va s'ouvrir le coffre géant. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Attention, 1 000 d'or. Sorcier, genre royal. Cabane, extracteur d'élixir, ça va, on a eu pas mal de choses. Coffre magique, attention. Tour de l'enfer, flèche, gobelin, canon à gobelin, chevalier, Tesla, canon. Attention, on peut avoir une légendaire là. Elle n'en aura pas de légendaire. Maintenant, on va ouvrir le coffre. Allez, attention, 3 000 d'or, hydrocution, gobelin à lance, bélier de combat, gobelin sarbacane, squelette, gobelin, golem, pardon, et molosse de lave. Enfin, une légendaire. Attendez, je vais baisser le son. Voilà, on n'en a pas besoin. Donc voilà, comment ça va se présenter un petit peu Clash Royale si c'est fait. Donc on aura quelques gemmes. Donc 80. On aura ensuite pack de démarrage. Pack de démarrage 2. Pack de démarrage 3. 4, 5, 6. Pack de gemmes magiques. Et on va... Pack d'arène sauvage. Voilà, on va avoir plusieurs coffres. Plusieurs trucs assez sympas dans les prochains jours. Voilà, ça va être fait comme ça à peu près, Clash Royale. Voilà. Voilà comment ça va être fait avec tout ça. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. Le coffre épique, c'est pas très très grave. Donc, voilà. Donc après, il faut les améliorer toutes ces cartes. Donc c'est pour ça qu'il faut garder de l'argent et faut pas. Et donc, on a testé en exclusivité le gobelin à canon. Donc, on a déjà testé sur notre chaîne, mais voilà, on va prendre des légendaires. Voilà. Voilà, on va prendre quelques légendaires, bien sympa, le clonage. On va prendre le bélier de combat. Et on va prendre le bûcheron. Et on gardera donc les flèches. Allez, c'est parti, combat d'entraînement. En arène 10, donc. Allez, c'est parti. Donc, vous allez voir que ce canon à gobelin est assez exceptionnel. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc faut le mettre là. Là, faut défendre ça. Regarde, on va cloner. Voilà. Voilà, ce qui est exceptionnel, c'est que ça. Voilà. Donc ça envoie des gobelins sur des troupes ou partout.
partout, hein. Ça peut en envoyer sur les tours. On va voir le cas de situation quand notre. On verra le cas de situation dans pas très très longtemps. Voilà, on vient de se faire défoncer. Voilà, on va voir le cas de situation tout de suite avec une tour. Ou avec, d'ailleurs, le truc de défense. Voilà, vous allez voir ça tout de suite. Voilà, ok, ils vont se lancer tout le temps des... Voilà, ça peut faire pareil sur les tours. Exactement pareil sur les tours, hein. Je tiens à le préciser. Super, ça clone. Et moi, ça déclone pas. Voilà, donc là, pourquoi prendre des troupes en l'air? Parce que voilà, il y en aura certains. Alors là, on va cloner ça. Et là, ça va peut-être valoir le coup de cloner. Regardez, regardez-moi ça. Voilà, là, ça vaut le coup de cloner, là. Là, ça y va. Voilà, on a cloné et ça y va, ça y va. Voilà, ça y va toujours plus. Regardez, là, on va voir le cas où on va mettre ça là. Voilà, regardez, ça défonce tout. Tout, tout, tout. Voilà, regardez. Là, ça y va, là. Là, ça a cloné et c'est parti. Malheureusement, ça n'a pas pu aller au bout. Regardez, voilà. Il nous manque le petit sort de clonage pour bien cloner ça. Ça a été formidable. Et là, attention, là. Rage. Là, on va le cloner, là. Regardez, voilà. Ça, c'est excellent. Regardez. Ça va bien y aller, là. Voilà. Et là, c'est gagné normalement. Oui, c'est gagné. Voilà. Vous avez vu, voilà, la bonne technique, un bon deck. Voilà. Je pense que même, je vais peut-être l'utiliser dans le vrai. Ça, c'était un bon deck. Voilà. Donc, on vient encore de gagner un coffre légendaire. Est-ce que j'ai tout... oui. Tout récupéré. Voilà, donc on peut en gagner 3, 4, etc. Après, il faut améliorer les cartes. Donc, bien sûr, améliorer les cartes. Vous en avez pour un petit moment, ça je vous le dis. Parce que vous pouvez en recevoir 1000 d'une même. D'une même carte. Vous pouvez en recevoir 1000, ça m'est déjà arrivé sur le serveur privé. Donc là, vous en avez pour un bon moment. Et voilà, vous trouvez un peu le temps long. Voilà, donc là on va passer niveau 5. Et voilà, vous passez du temps en fait à le faire ça. Juste pour ça. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc sur peut-être encore le serveur privé si on a des nouvelles choses. On va juste regarder s'il y a des nouvelles arènes. Ils avaient parlé de nouvelles arènes. Il n'y a donc pas de nouvelles arènes pour l'instant. Alors, juste dernière chose, regardez, je vais vous faire montrer à peu près le classement. Le classement, c'est très bref. C'est très bref. Vous allez voir que, finalement, si je trouve le classement, c'est là. Vous allez voir que, finalement, il n'y a qu'une personne qui domine le général, qui domine le général et le local. Regardez. Donc, vous voyez Modo Vasco, donc qui a 4500 trophées. Tout le monde a 4000 trophées en dessous. Tout le monde. Et donc, on va regarder dans le local et on va voir tout de suite que, regardez, Modo Vasquez a encore 4700 trophées, donc il domine toutes les catégories. Voilà, excellent. J'espère que le serveur privé vous aura plu. J'espère que tout ça vous aura plu parce que moi, en tout cas, ça me plaît bien de vous faire des vidéos là-dessus. Il n'y en a pas trop de problèmes. Il y aura sûrement un petit pack opening de légende, de coffre légendaire. Voilà, allez, ciao, bye bye, et donc. La description, ça sera, tout ça sera en description. Ciao, bye bye les amis.